Plus de 300 concurrents de la base de défense de Vars ont participé à ce premier cross obstacle organisé par le bureau des sports du 93e régiment d'artillerie de montagne. Dans cette compétition, deux athlètes de haut niveau du 93 sont venus en invité courir auprès de leurs camarades. C'est un honneur de courir avec les militaires, donc c'est bien. Donc pour montrer qu'on quoi, voilà, on court tous les jours, c'est le quotidien le matin, les entraînements, les séances. Et puis c'est avec plaisir aussi de venir courir avec tout le monde. Sur un parcours de 6 km, très technique, nos compétiteurs ont apprécié cette course, franchissement de fossés et de haies. Le cross restait dans l'esprit militaire. Ah bah, super parcours, la météo était avec nous, des obstacles agréables et on s'est bien amusé. Pour la cohésion du groupe, c'était impeccable. À refaire. Bah, l'ambiance était sympa, voir toutes les batteries réunies, courir avec ses collègues et tout, c'est sympa. Ça motive. À la fin de cette course, le colonel Xavier Renard et ses officiers ont remis les récompenses aux vainqueurs. Au classement général, en individuel, l'artilleur de montagne menant remporte le challenge. Alors le cross régimentaire a été organisé par toute l'équipe des sports, avec à sa tête l'adjudant Barjot, qui est l'officier sport du régiment, et qui a encore une fois fait une remarquable prestation. Apparemment tout le monde est satisfait, donc ça devrait être une réussite pour aujourd'hui. Voilà, tout le monde a l'air ravi du parcours. La batterie de renseignement brigade s'octroie la première place au classement de masse.